Bass got this. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, je suis avec mon gars Kaylan. Et c'est la famille. Ça dit quoi, mon gars? Tu connais, on est là. Hein. Bon, déjà, on est où? On est dans quelle ville, quel quartier? Du coup, normalement, on est à l'île Maurice. Ouais. À l'île Maurice. Et dans ce quartier, ça s'appelle Artsoukeni, que je sais pas si tu connais, mais c'est un peu le quartier d'où je viens et tout, tu vois. C'est ça? Ouais. T'as fait un clip ici, tu m'as dit? Ouais, j'ai fait un clip ici, un peu ici, un peu de partout, tu vois. Je vais t'expliquer un peu. Ça va bien, on rentre un peu, on va montrer. Je te laisse te présenter, frérot, aussi. Non, moi, c'est Kaylan. Je suis rappeur, chanteur. J'ai 19 ans. Je suis d'origine mauricien. Et j'ai la famille en France. Ouais. Voilà, c'est ça. T'as commencé comment la musique? Ça fait combien de temps? La musique, j'ai commencé il y a 3 ans. Ouais, à peu près 3 ans, 4 ans, ouais, c'est ça. Et je me suis lancé à travers ça. Toi, t'as passé du temps un peu ici dans ce quartier? Ouais, j'ai passé un peu du temps, ouais. J'ai fait des clips, j'ai rencontré beaucoup de personnes et tout. Il y a même mon manager qui habite ici. Enfin voilà, tu connais. Ouais, quoi. C'était quel clip que t'as fait ici du coup? En fait, le clip, le son s'appelait Navoyen Raga. C'est en fait un peu le style mauricien qui s'appelle Raga Dancehall. Je sais pas si tu connais, mais c'est un peu ça, tu vois. Ça se fait beaucoup ça. Ouais, les Maurice, ça se fait beaucoup. Parce que les chanteurs d'ici, ils font beaucoup ça, tu vois. Bon, il y a d'autres artistes qui viennent de ce quartier-là ou... D'autres artistes, il n'y en a pas trop. Ouais, il n'y en a pas trop. Ouais, c'est ça. Toi, t'as fait des feats en plus, de toute façon, avec des gars d'ailleurs. Ouais, j'ai fait beaucoup de feats, ouais. Ouais, ouais. J'ai fait un feat avec d'autres artistes qu'on va rencontrer tout à l'heure dans la vidéo et après... Enfin, tu connais, on va aller où dans la vidéo? Explique-nous un petit peu, on va faire un petit tour. On va partir un peu à Rochebois. C'est dans les environs de Port-Louis, à l'île Maurice. On va aller un peu à Valédy, un peu, enfin, tu vas voir dans la vidéo. On va faire un peu le tour. Vas-y, c'est bon. Vas-y. Alors, du coup, c'est comment un peu les quartiers de l'île Maurice qu'on connaît pas trop en France? C'est pas en fait, les quartiers, c'est un peu différent. En même temps, c'est bien. En même temps, il y a des gens pauvres. En même temps, il y a des gens qui en a de la thune, tu vois. Mais sinon, ça va. On arrive à gérer avec la vie qui est devenue très chère d'ici, avec tout qui a augmenté ces derniers temps. Mais sinon, ça va. Du coup, là, il y a les quartiers un peu de partout. C'est ça s'appelle hein. des appartements. Ouais. Ici, on appelle ça des flats. Des flats, ouais. Ouais, des flats, tu connais? Ouais. Ouais, c'est ça. Comme en anglais, hein. Ouais. Il y en a beaucoup ici, comme ça, différentes couleurs. C'est ça. Il y a eu d'autres gens qui ont fait des clips ici, à part toi ou quoi? Non, à part moi, personne. Personne ici, ouais. Hein. Enfin, je sais pas, mais à ma connaissance, je connais personne qui a fait des clips ici. Du coup, il y a un peu de la pluie. Ouais. C'est la galère. Ici, le climat, il est bizarre. Genre, ouais, c'est un peu. En même temps, il fait très chaud. Et tout d'un coup, il y a la pluie. Mais faut s'habituer, tu vois. C'est ça. En plus, c'est pas genre à Port-Louis, il va faire beau. 10 minutes plus loin, il va pleuvoir. Ouais, exactement, c'est ça. C'est là, il y a des usines. Là-bas, il y a une gare de bus où les bus vont au garage et tout. Mais toi, du coup, t'es d'où exactement à l'île Maurice? Tu es quelle ville exactement, toi? Moi, je suis de Flac, ville de Flac. Je sais pas si tu connais. Mais c'est dans le sud, dans le sud-est. Ok. Ouais, je viens de là-bas, dans un village qui s'appelle Beauchamp. Ouais, que j'étais depuis tout petit. Là-bas, c'est là-bas que j'étais à l'école et tout. J'ai grandi là-bas. Et c'est là-bas même que j'ai débuté, que je me suis lancé dans la musique et tout. Tu vois. C'est quoi qui t'a donné envie justement, toi, de commencer? En fait, c'est en écoutant des musiques. Et il y avait mon oncle aussi qui était dans la musique et mon père aussi également. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer de la musique moi aussi. Et par la suite, je me suis démarqué. Il y a beaucoup de gens qui m'ont reconnu. Petit à petit, j'ai évolué. Et maintenant, je suis l'homme que je suis Kaylan, quoi. Et ouais, c'est ça. Ouais. T'as sorti combien de clips? T'as sorti combien de sons? T'as sorti quoi exactement? Le moment, j'ai sorti 2 clips. Et il y a des sons, il y a plein de sons que j'ai sorti ces derniers temps, ouais. Et même, je crois que... La semaine prochaine, je vais aller en tournage d'un clip qui s'appelle Homme fidèle. Je sais pas si tu connais en français, ça veut dire homme fidèle. Et voilà quoi. On a l'île Maurice, c'est connu pour les plages ici. Bah oui, hein, les plages, c'est l'île Maurice quoi. Est-ce qu'il y en a pas loin d'ici? Bah bien sûr, hein. Ouais. C'est à Pointe-aux-Sables. Ouais, c'est en Pointe-aux-Sables, c'est la plage. C'est une petite plage,
mais je pense que tu vas aimer. C'est là qu'on va du coup. Ouais, c'est là qu'on va. Allez, c'est parti. C'est carré. Vas-y. Là, on est maintenant, on est à la pointe Sable. Juste au bas, il y a la plage. Et du coup, là, ça, c'est les quartiers d'ici. Ça, c'est des quartiers, c'est des. Ici, on appelle ces maisons, on appelle ça des NHDC. Ouais. Ces maisons comme ça. C'est comme des appartements et tout, mais individuels, tu vois. Ok, ok, ok. Et là, c'est là-bas, c'est la plage où ça a l'habitude de venir ou quoi? Ouais, c'est ça. Toi, t'aimes bien la plage ou quoi, quoi? Bah oui. Hein. Ouais. Ouais, forcément. Il y a l'île Maurice, quoi. C'est quoi la meilleure plage d'île Maurice? Personnellement, la meilleure plage que moi j'aime bien, c'est à Granby. À Granby et à Belmar. À Belmar, c'est juste à côté trou de douce. Ouais, sinon il y a la plage ici. Tu vas dans cette plage-là de temps en temps ou quoi? Bah ouais, parce que tous les dimanches, quand j'ai le temps, ouais. Comme tu vois, il y a plein de monde. Justement, vu que la plage, c'est important à Maurice, on va dire. Ouais. Est-ce que justement, c'est important de faire des sons aussi qui vont dans l'ambiance un peu, on va dire, ici? Enfin, ça dépend. Il y a des sons qu'on peut faire des clips à la plage. Il y a des sons qu'on peut faire dans des différentes places, tu vois. Mais c'est aussi bien la plage. Il y a une ambiance, tu vois. Comme tu vois, il y a beaucoup de gens qui nagent et tout. Même quand il pleut. Mais sinon, ça va. Ça va, ouais. Il y a les chaudes l'eau ou quoi, ici? Enfin, c'est moyen. Moyen? Moyen, ouais. C'est combien moyen pour toi? C'est environ 19 à 20 degrés, tu vois. Ah ouais, ouais, moyen. Ça va. T'aimerais qu'on y aille? Allez, vas-y, viens. Vas-y, vas-y. Et quoi, frérot, à Maurice, c'est comment? Il y a les. Est-ce que c'est comment sur les plages? Est-ce qu'il y a les plages de touristes, les plages où il y a les Mauriciens? C'est mélangé? En fait, c'est mélangé, ouais, voilà, c'est mélangé. Il y a des plages où il y a des touristes et il y a des plages où il y a des personnes, des Mauriciens, quoi. Ouais, c'est ouais. Un peu mélangé. En même temps, il y a des plages où c'est réservé juste aux touristes, tu vois. Ouais, j'imagine. Hein. Allez, gros, je vais tester l'eau. Vas-y, on va vas-y. Voir si elle... Hein? Vas-y, si, vas-y. On va voir. En vrai, tu. En vrai, ça va. Je m'attendais à plus froid que ça. Ça va. Quand tu m'as dit moyen, je m'attendais à plus froid que ça. Hein, ça va. Mais ça va, ça va. En plus, l'eau, elle est bonne, tu vois. Ouais, ouais. Yes, 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 on se retrouve. Alors, c'est ici même que j'ai tourné un clip très récemment. C'est le clip qu'on appelle Nampuyen Raga. Ouais, c'est ça. Et ici, on est à Rochebois, le quartier un peu chaud de l'île Maurice. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'artistes qui sortent d'ici, qui sont venus d'ici, ouais. Comme, ouais, beaucoup d'artistes comme Kaya, quoi. C'est ça. Explique un peu qui c'était, du coup. Kaya, c'était le roi du Ségué, tu vois. C'est lui qui a créé le Ségué. En fait, c'est un mélange de Sega et de reggae. Mais il n'est plus là maintenant, il est mort, tu vois. Il est mort. Explique-nous ouais. Le Sega aussi, c'est quoi? En fait, le Sega, c'est l'originaire de Maurice, tu vois. Le Sega, c'est un peu du style. C'est un son plus avec de l'ambiance, tu vois. Où tu peux danser, chanter, un peu de tout, tu vois. C'est un peu plus avec de l'ambiance. C'est l'originaire de l'île Maurice. Après, il y en a à La Réunion. Mais à Maurice, c'est plus. C'est plus. Comment te dire? C'est plus dans l'île, tu vois. Comment ça se fait, t'as tourné ton clip ici, toi? En fait, te dire, il y avait un gars qui habitait ici, un pote à moi qui habitait ici. En fait, le clip consistait à. On devait tourner le clip dans un sens où il y avait chacun dans son endroit, tu vois. Et du coup, il y a un pote qui a tourné chez lui ici. C'est pour ça qu'on a tourné ici, tu vois. Sachant qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent ici. Pas très légal, quoi. Justement, il y a qui comme artiste actuellement qui vient de Rochebois? À Rochebois, je crois qu'il y a Black Caillou, il y a d'autres artistes qui s'appellent comme Denzel, je sais pas, je connais. C'est des artistes, des jeunes artistes qui viennent de Rochebois. Ouais, il y en a beaucoup d'artistes. Il y a comme Tian, c'est lui aussi, il chante le Ségué, le Sega aussi. Ouais, il y a beaucoup d'artistes qui viennent d'ici. Ça se fait beaucoup le Ségué ici? Ségué, ouais, ça c'est beaucoup. C'est plus pour les vétérans, tu vois. Ouais, c'est les anciens qui font ouais, ça. Ouais, les anciens, ouais, voilà. Les jeunes, ils font quoi principalement ici? Ici, les jeunes, ils font plus du dancehall, le raga, le rap, un peu plus... un peu aussi sur le Ségué, tu vois. Mais sinon ça va. Comme justement, ça, c'est comme ça. Le rap mauricien, il est comment ici? C'est un peu similaire, mais en version mauricien, quoi. Avec ouais. Des paroles mauriciennes et tout. Ouais, c'est différent du rap français, je trouve. Ouais. En fait, je trouve pas que c'est différent. C'est un peu pareil, mais juste que
que le langage c'est différent, tu vois. En fait, il y a le rap et le dancehall, c'est différent, tu vois. C'est le même contexte, mais avec différents instrus. Ouais, avec différents rythmes et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a rien qui... Et ça se mélange un peu, justement, dancehall mélangé rap ici et ouais, tout. Ça se mélange un peu, tu vois. En fait, c'est un peu similaire, mais avec différents instrus et tout. C'est ça, ouais. Voilà. Oh, puis sinon, comme on a dit, si on est à Rochebois, est-ce que c'est différent ici de, par exemple, du quartier où on était juste avant? Ouais, c'est un différent. C'est différent de ta ville aussi, ouais. C'est comment ici? En fait, ici, c'est un quartier très chaud, où il ne faut pas chercher de la merde. Ouais. Il ne faut pas chercher de la merde. Ici, c'est très chaud et comme je vois... Non, mais cette heure-là, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est que vers les 19h, 20h, 21h, qu'il y a plus d'ambiance ici. Ouais, c'est comme ça dans toute l'île ou quoi? Ouais, c'est comme ça, à propos comme ça, ouais. C'est tous les dimanches, le soir, c'est comme ça. C'est tout ici. Il y a eu d'autres clips qui se sont faits ici, un peu de toi ou quoi? Non, pas d'autres clips. Pas d'autres clips ici? Non, juste une. Du coup là, justement, on va aller au studio. Je vais vous montrer un peu comment c'est et tout là-bas. Comment on enregistre les sons, comment on monte les sons et tout. Je connais, voilà. Ouais, c'est parti. Alors frérot, on va où là maintenant? Voilà, juste là-haut, on va au studio, l'un des meilleurs studios qu'on a ici à l'île Maurice. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent ici, juste pour enregistrer des sons qui sont à travers l'île, quoi. Très, 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 câblé, très loin qui vient ici, tu vois. Ah oui. Ouais. Et c'est dans la forêt là, comme ça là? Enfin, pas dans la forêt, c'est juste en haut, tu vois. Enfin, tu vas voir. Et on est de quel côté de l'île là, du coup? Là, on est à Port-Louis. Port-Louis, hein? Ouais, à Port-Louis. C'est la capitale. Précisément à Trinquebar. Ouais, plus précisément à Trinquebar. Ah, justement, ça fait bizarre de voir un studio dans des coins comme ça. Et c'est le plus gros studio de l'île Maurice, tu m'as dit? Enfin, pas le plus gros, mais l'un des meilleurs, quoi. Ok. Sinon, on est là, chez Ryan Rigo, juste là. C'est là où on enregistre les sons et tout. Bah, tu connais, hein? Fais-nous rentrer, gros. Vas-y, viens. C'est ici que tout se passe, alors, hein? Bah, tu connais, hein? Comme vous le voyez, c'est tout se passe ici, quand même. Ici, c'est le studio où on enregistre tous les sons, où plein d'artistes viennent ici. Des artistes d'ici, Amaya, Joker, Sky, tout. Il y a un peu de tout, quoi. Même moi, je viens enregistrer ici. T'as enregistré quels sons ici, à toi? Il y en a beaucoup, hein. Comme le clip que je viens de sortir tout récemment qui s'appelle Famosco. Et il y a un son que j'ai sorti assez longtemps qui s'appelle Hypocrite Mopalé. Et voilà, quoi. C'est que t'es fait là, hein. Voilà, tu connais, on est juste avec le gars, juste là, avec mon pote. Pareil au studio et tout, tu connais, hein. C'est le studio, il est là. Ouais, il est là. Du coup, il y a mon gars Hans Music, tu connais. Ouais. Tu connais. Et c'est lui-même qui monte les sons et tout. Ça fait combien de temps que t'enregistres ici, toi? En fait, on n'enregistre pas ici, on monte juste les sons, tu vois. Du coup, c'est bientôt un an, je crois, non? Ouais, un an. Bientôt un an. Si on monte juste les sons et après, pour l'enregistrement, c'est dans un autre endroit, tu vois. Ouais. Vas-y, ben montre-nous, frérot, montre-nous. C'est là que ça monte les sons, ouais, tout ça. C'est ça, c'est là que ça monte les sons et tout. Ça fait combien de temps que tu fais des enregistrements, frérot, toi? Ça fait au moins 5 ans. 5 ans, ouais. Ouais. Et t'as fait d'autres artistes un petit peu ou quoi? Pas encore. Les films, on dit Allo, Allo, Manu, tout ça. Mais il a fait Tazu, Hitman. Donc, c'est, pour l'instant, il dit qu'il a fait un son avec une meuf d'ici, une artiste d'ici, qui s'appelle Tazu. Et voilà, quoi. C'est un son qu'il a fait.
Et là, il y a des sons qui va. C'est un rap. C'est un son à toi celui-là ? Non, c'est plus un instru. Ah, un instru, ouais. Ouais. Une instru, ouais. Hey, tu veux rouler dans ça la vie. Pas tout côté, pas c'est le temps, j'ai une gayenne, qu'une zut. J'ai censé que c'est zut, puis arrêter, hein. Faire les bons tests, sous-coup, se taper, bander. Mais nous sommes dans Yen, t'as de pas attraper ses règnes. La famille tombe dans la peine, à cause and band friend. Non, relève-toi pas l'histoire et tombe dans la haine. Pour qui dit mais nous cadre, ouais, nous ressent ça, c'est ça. Nous voulons pas vendre, nous consommons, tu sais qui dangere. T'es des acronymes, nous banirix, li bien sosé. Non, nous pas capter, nous jazzis. La vérité, mais écoutez, il n'arrive rien pour nous. Et nos femmes, mais qui fait te vexer. Un pauvre femme, te camoille quand tu n'as pas nanonné. Et tu gammes, mais qui fait te fâcher. Quand pense qui pour ta Michel la gain pour raser. Il y a des bons studios à l'île Maurice ou quoi? En fait, ici c'est plus pour monter le son et tout, tu vois, pour monter l'instru. Et après, on part chez Virus. Ici, c'est le pilier de l'enregistrement, tu vois. Et tout le monde va là-bas juste pour enregistrer le son et après, on enregistre le son après. Et ici, moi je viens ici juste pour monter le son et chill, quoi. Hey. Bon, mon frérot, histoire de terminer après ce petit tour au studio. Ouais. J'avais 2-3 autres questions. Vas-y, vas-y. Normalement, t'as vu, en ce moment, je fais un petit tour des îles, là, de l'océan Indien, c'est-à-dire. Mayotte, Réunion, Madagascar, ça. C'est-à-dire toi, est-ce que tu as déjà entendu parler un peu des artistes qui sont sur les îles aux alentours? Les îles aux alentours, je connais un mec, un artiste en Martinique, qui s'appelle X-Man, je crois. Je sais pas si tu connais, mais c'est X-Man. Et je connais un peu d'autres artistes en plus, encore, dans les îles des alentours. Ouais, je connais un peu. En fait, c'est comme ici, hein. C'est un peu similaire d'ici. Voilà. Sinon, t'as déjà fait des clips un peu de cet endroit-là ou quoi, vers cet endroit-là? Ici, pas trop, non. Hein. J'en ai jamais fait, mais peut-être qu'après, ouais, ça serait bien. Bon, dernière question, frérot, c'est la même tout le temps, celle-là. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Ah ouais. Ah bon, c'est Paris, hein. Paris, ouais. Ouais, Paris. Paris et Manchester. Manchester United, quoi. C'est carré, c'est ouais, carré. Tu connais, hein. C'est quoi tes réseaux, c'est qu'on te suit? Mon réseau, c'est Kylan Tiridjuba. Off.26, c'est ça, c'est mon Insta et mon YouTube c'est Kylan, K-A-Y-L-A-N, tu connais. Tout est bon, merci beaucoup frérot en tout cas. Vas-y. Et tu connais, on est ensemble. On est ensemble frérot, vas-y, à toutes.